Tech the Future est un programme qui a été initié par l'IMT Minales en 2017. Donc la première édition a eu lieu à Montpellier. L'objectif, c'est d'accompagner des entreprises. Donc on peut avoir des créations d'entreprises, des startups et des PME qui ont un projet de développement dans l'innovation. Ça peut être technologique ou pas forcément technologique, mais nous garantissons à chaque porteur de projet qu'il aura les compétences le temps du week-end pour lever ses verrous technologiques s'il en a, et bénéficiera également d'accompagnement de coachs avec des profils différents qui sont déjà très impliqués dans l'accompagnement d'innovation et de chefs de projet. Alors écoutez, Tech the Future, c'est la troisième édition. Les deux premières éditions ont eu lieu uniquement à Montpellier. Et cette année, eh bien, c'est, je dirais, recopié sur Avignon, qui a déjà eu lieu d'ailleurs, et sur Toulouse, et sur Montpellier évidemment. Ce qui prouve que les initiatives prises sur la métropole de Montpellier sont toujours porteuses et donnent de l'inspiration. C'est le plus important. Évidemment, la métropole accompagne l'école des Minales et est accompagnée cette année par la CCI de l'Hérault et par EDF. C'est important parce que les coachs mis à disposition, les coachs UBIC, vont encadrer ces étudiants qui ont été sélectionnés par l'école de Minales sur leurs projets. Leurs projets qui sont des projets souvent technologiques, d'une manière majoritaire. Mais ceci correspond complètement au travail que nous faisons depuis des années avec l'école de Minales, entre autres au niveau de la cité créative.